Vive le français, bonjour les amis. Today we are seeing a quick expression, it interests me, it doesn't interest me. So it interests me, ça m'intéresse, it doesn't interest me. Cela ne m'intéresse pas, cela ne m'intéresse pas. Ok, ça m'intéresse, cela ne m'intéresse pas. So I will offer you something and you will either tell me, you will look at the camera and you will answer me, no, I'm not interested. Or you say, oh yeah, I'm interested. Ah, vous voulez acheter une belle maison? Regardez cette maison comme elle est belle. Ce n'est pas cher. Ce n'est vraiment pas cher. You want to buy a beautiful house? It's really cheap. It's not expensive. Ce n'est pas cher. C'est vraiment donné. C'est vraiment un prix d'ami. It's a friend price. Vous voulez acheter cette belle maison? So, ça ne m'intéresse pas. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Ah! Vous voulez m'épouser? Vous voulez m'épouser? Regardez, je suis très beau, je suis très jeune. Vous voulez m'épouser? Regardez, je suis très musclé. Bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais do you want to marry me? Vous voulez m'épouser? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez un chien? Il y a un chien malade. Vous voulez un chien? Oui, il y a un chien. Il y a un gros chien. Regardez le gros chien là-bas. Vous voulez un chien? Then you can answer me. Non. Vous voulez un chien? Ça ne m'intéresse pas. Non, merci. Je n'aime pas les chiens. Je n'aime pas les chiens. Je préfère un chat. Je préfère un chat. Vous voulez apprendre le français? Vous voulez apprendre le français? Oui, ça m'intéresse. Je veux apprendre le français. Oui, oui, ça m'intéresse. What else can we say? Vous voulez une fleur? Vous voulez une fleur? Vous voulez une fleur? Oui, volontiers, ça m'intéresse. Merci. Merci, ça m'intéresse. Okay. Let me leave you for now. À bientôt les amis.